J'ai pas les mots, j'ai pas les mots, je sais pas quoi dire. Si tu as quelque chose à dire, dis-le en commentaire là maintenant. L'épisode était tellement supermanent, il y avait cette ambiance de Superman, c'était très supermanent. Je viens d'inventer l'expression, c'est pas un problème. La fin de l'épisode nous a laissé KO, on va pas se mentir. Sauf que je viens de remarquer que la série reprend le 13 juillet, hein, c'est-à-dire dans 3 semaines. Avec ce cliffhanger là, avec cet épisode là, attendre 3 semaines, c'est pas facile, hein. Très clairement, c'est pas du tout facile. Tu l'auras deviné, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode de Superman de Lois qui était juste une petite masterclass. C'est à chaque fois la même chose, l'épisode qui arrive est meilleur que l'épisode précédent. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Un épisode de fou furieux, je sais pas quoi te dire, je sais pas par où commencer, mais en tout cas. Je te laisse avec la vidéo tout simplement. Que dire à propos de cet épisode de Superman Lois? Cet épisode était en train de retracer les souvenirs de Superman depuis qu'il était petit, comment il a découvert ses pouvoirs, comment il a découvert la forteresse, comment il a connu Lois, et c'était tellement, tellement, tellement gold, tellement symbolique. Les gars, ça m'a laissé un petit quelque chose, l'épisode était génial, il était tellement, mais tellement, mais tellement fidèle à l'univers de Superman, un truc de fou. On avait le fameux changement de costume dans la cabine téléphonique, on avait le fameux, il enlève ses lunettes, il les met après le Superman là. L'épisode, il était juste magnifique, tellement beau, comment Clark a rencontré Lois, tellement il se sent, comment il se sent connu, comment cette alchimie est née entre eux, comment l'alchimie avec Superman est née et tout. C'était waouh, c'était fabuleux. J'ai pas les mots, je sais pas quoi dire, comment ils ont retracé l'histoire entre Superman, entre Clark ainsi qu'entre Lois tout simplement. C'était juste magnifique, je sais pas quoi dire. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, mais en tout cas c'était tellement beau, c'était tellement, tellement c'est beau. Tu t'assois et juste tu regardes, tu cherches pas à savoir midi à 14h, tu regardes, tu laves tes yeux tellement c'est beau et tout, c'était magnifique, l'histoire était présente, mais après avoir regroupé tous les souvenirs de Clark, c'était juste magnifique, comme j'arrête pas de le répéter. Après, on a Monsieur Morgan Edge, le frère de Superman, Kryptonien, machin, chose, le demi-frère de Superman, t'auras compris. Il veut s'attaquer à sa famille, et du coup, Superman ne trouve pas une autre solution plutôt que de se rendre à lui. Et là, la fameuse prophétie allait se réaliser, Superman va tourner du côté obscur. La scène finale, on nous montre un Superman qui allume ses yeux et on reverra ça que dans... Oh, j'ai envie de me suicider, j'ai des envies de suicide là maintenant tout de suite. On nous laisse avec un cliffhanger comme ça, avec un épisode comme ça pendant 3 semaines. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais en tout cas, je crois que ça devient très clairement ma série préférée, hein. J'avais peur de le dire, mais je sais pas trop, mais... Ça relève du niveau, ça relève très clairement du niveau en termes de série de super-héros, en termes de qualité de série de super-héros. C'est vraiment un petit quelque chose, c'est vraiment une petite masterclass, vraiment. Je sais pas quoi dire d'autre, je sais pas quoi dire d'autre. En tout cas, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, ou plutôt tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, tout simplement. Dites-moi en bas en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Comment vous allez faire pour attendre quand même jusqu'à juillet, ce qui n'est pas facile, hein, je vous le dis très clairement, ça va pas être facile, surtout avec un cliffhanger comme ça. En tout cas, je crois que c'était vraiment tout, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien, c'était beau, c'était magnifique, ouais c'était beau.